Salut, salut, salut les amis, c'est Necros, le seul, l'unique, et on est reparti sur l'épisode 8 de mon playthrough The Last of Us. Alors j'ai recommencé juste avant, parce que je voulais faire le con, je voulais faire une petite scène sympathique, machin, et puis bah du coup il y a un discours qui s'est installé, donc je vais juste recommencer, de toute façon il y a juste ce zinc à niquer. Et comme ça vous pourrez louper, ne pas louper le discours. Super. Qu'on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu mon truc qui s'est mis là? Ouais. On y va là! BAM! Voilà! Wow. Doucement avec ton langage, ma grande. Falloir que je t'éduque un peu, toi. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris? Compris. Très bien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens. C'est oh, ce charisme. Ce full charisme. C'est Joël le grand, le beau, le magnifique, le texan. Alors, je voudrais juste voir un truc là, j'ai pas compris. Je descendais, il y a ma carabine qui s'est affichée là. C'était juste pour me dire que j'avais plus de. Plus de balles ou quoi? Ah non, j'en ai pourtant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, bref, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Full, ok. Range ton arc, toi, s'il te plaît. Ok. Bon, allez, c'est pas le tout. On continue. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis, comme dirait notre très chère exploratrice préférée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Le vide, le vide, le vide, le néant. En tout cas, c'est magnifique. Moi, ça me botte. Ça me botte, ça me plaît, j'adore ça. Il y a un piège qui est juste là, il va falloir faire gaffe. Ok. Bon, de toute façon. Tu vois ce fil barbelé? Reste Voilà. en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Elle te dit ça, puis là, elle passe en plein dessus. Brum! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu chantes? 2 secondes, 2 secondes, les amis. Je voudrais juste fouiller un petit peu la zone parce que ça, je sens que ça va être en mode. On va plus pouvoir revenir. J'ai vu un truc qui brillait sous la bagnole là. Enfin, sous le camion. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé, a priori. En tout cas, là-dedans, il n'y a absolument rien du tout. Bon bah très bien, donc on n'a pas le choix, on va aller là. Je vérifie mon stuff, ok, j'ai cocktail Molotov, l'arc, nanana, je vais juste voir si je peux. Attends. Si je peux fabriquer quelque chose. Je peux pas améliorer mon arme de mêlée là. Ah fuck. Il me manque des rubans adhésifs. Je peux rien confectionner. Ça je suis à toc, je peux pas en faire plus de 3. Enfin je peux pas en porter plus de 3 du coup. Ça je vais pas en faire. Je vais pas en faire, je vais pas en faire. 2 c'est largement suffisant. Ça sera juste utile pour se sortir des emmerdes, quoi. Rayon de mode écoute, j'en ai absolument rien à branler. Ça, je l'utiliserai jamais, de toute façon. Hein. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans les épisodes précédents. Temps de confection. Ouais. Non. Non, je préférerais plus mettre dans la vitesse de soin. Et stabilité de l'arme. Ouais. Ok. On y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce que j'ai en balle? Ouais, détends-toi quand même, toi. Je m'en occupe. Ok, c'est parti. On est chaud, on est bouillant. Ça me fait flipper ces conneries. Je tiens à vous le dire. D'ailleurs, on va se mettre en full furtif. Fais pas de bruit, ma grande, c'est pas le moment. Tiens, d'ailleurs, voilà. Au cas où. Je pense que ça doit être assez galère à se servir l'arc, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça devrait pouvoir le faire. Ok, ça a l'air safe ici. Il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, donc il y a forcément quelqu'un dans ce putain d'appart. Waouh. Oh fuck!
Ah, je me suis chié dessus, Allez, au corps à corps. Bam. Et bam. Voilà. Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie. Ouais, bah, je t'avouerai que moi aussi. Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Ok, bon, c'est que c'est safe alors. On va rester sur nos gardes quand même. Ah, cool, je peux les récupérer. Parfait. Ça, c'est une bonne chose, les amis. Ça, c'est une très très bonne chose. Ah bah tiens, juste ce qu'il me fallait. Ok. Il va falloir que je m'entraîne alors que, parce que putain, c'est chaud. Tac, un peu de santé, ça fait toujours plaisir. Une page, ok. C'est quoi qui est marqué ? Rachel. D'accord, donc c'est une note pour Rachel. Qui est Rachel ? On sait rien, on s'en fout. Rachel, des soldats vont de porte en porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends les cris à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps, j'ai essayé d'appeler, d'attendre. Pardon. Mais je ne peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas. À très vite, Ezra. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ezra ? Ouais. Ok. Donc, ouais, bah c'est... Comment je pourrais le savoir ? En tout cas, j'aimerais bien. Pourquoi ? Tu lui connais même pas. Elle est un peu zingue, celle-là, quand même, des fois. Enfin, bref. Ouais, donc a priori, ouais, c'est ça, la ville a été mise à sac par les militaires, quoi. Ils ont forcé les gens à se barrer de chez eux, soi-disant pour les protéger, mais on est tous bien d'accord que c'est du gros, gros fake. C'est quoi, ça? Ah, je suis full en... Putain, ça fait chier, par contre. Le sac à dos, je peux pas mettre grand-chose, au final. Manuel d'entraînement, putain, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais, le sac à dos, au final, je peux pas mettre grand-chose. Putain, ça fait chier. Puis j'ai rien pour l'améliorer, en plus, ça. Non, j'ai absolument rien. Ah ouais, du coup. Parce que j'avais joué un petit peu en off juste avant, juste pour avancer deux secondes, en fait, je voulais me jouer un petit peu comme ça. Et j'ai vu donc l'utilité de cette amélioration-là. C'est-à-dire que quand il y a un claqueur qui nous attaque, comme la dernière fois, comme il était venu, il m'a mordu, ça m'a one-shot. Bah là, en fait... Au moment où il nous attaque, faut aller très vite, mais il y a la touche triangle qui se met en surbrillance et faut vite appuyer, puis en fait il plante un surin dans la gueule. Par contre, ça ne le tue pas. C'est très important de le savoir, ça ne le tue pas. Donc ça lui fait mal un coup, mais faut vite le finir au corps à corps, sinon après il y aurait une oursaute dessus, quoi. Et puis là, du coup, ouais, c'est ça, le niveau prochain, c'est les surins durabilité maximale ne cassent pas lorsque vous les utilisez pour échapper à l'emprise d'un claqueur. Parce que là, il lui plante le surin dans la gorge et il le casse, en fait. Donc du coup, on perd un surin. Donc voilà, une petite information. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, donc du coup, ça, je vais foutre les 30 points là-dedans. Tac, parfait. Par contre, j'ai plus du tout de pilule. Ça fait chier. Comment je suis en life? Ouais, je suis full. Ah putain, ouais, je suis con. Je peux améliorer la santé max. Eh ben, ce sera le prochain. Ce sera la prochaine amélioration que je ferai, les amis. D'ici là, il va falloir que je trouve 50 pilules. Je pense que c'est pas gagné. Bon, bah, a priori, y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre à fouiller ici. On aurait pu regarder dans le frigo s'il y avait à bouffer quand même. Ouais, ok. Allez, on se barre de là, chérie. On se barre de là. Du coup, je vais rééquiper mon flingue. On sait jamais. Sachant que ça peut nous sauter à la gueule d'une minute à l'autre dans ce monde. Dans ce bordel. Notre espace. Ouais. Par où on passe? Par où est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on peut passer en dessous de la bagnole? Non. Pourquoi j'ai une voiture? Putain, c'est un camion, bordel. Quand elle... So, ouais. Regarde ça. Oh! Ouais! Ouais. Est-ce que je peux balancer, genre, tiens, la bouteille dessus? Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Je peux pas? Ah ouais, voilà. J'ai pas besoin de viser, en fait. Il va le faire automatiquement. Oh putain, cette explosion tari. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Ouais, et puis ça fout un bordel monstre aussi. Hein. Ça fout un bordel monstre, donc niveau... Mais casse-toi! Putain, par contre, il y a une échelle là-haut, j'y serais bien lavé. Je peux grimper sur le camion. Non, je peux pas. Putain, ça fait chier ça. Qu'est-ce que je disais?
Ouais, ça fout un bordel monstre, donc c'est pas très safe, quoi. Ok. Tu vois ça? Ouais, mais je peux pas sauter aussi, c'est chiant. Ça, c'est un peu con, ouais, en fait. Je peux pas sauter. Ouais, barre-toi de là, par contre, ma grande. Merde. Barre-toi de là! Ouais, bah ouais, bah voilà, je t'avais dit de t'écarter aussi. T'écoute pas, bah voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Hein. Allez. Toujours, toujours s'armer d'une arme de ce genre-là, parce que je me suis rendu compte que c'est très, très utile. Ça nous permet de nous sortir de la merde par moment. Ok. Oh putain, regarde-moi ça. C'est, moi, je trouve ça magnifique quand même. Je trouve ça super, super classe. Bon allez, trêve de bavardage. On avance, on fouille. Putain, je suis full. Oh, par contre, ouais, les munitions, je peux vraiment pas en porter beaucoup. Ouais. 14 max. Ça, c'est assez. C'est pas mal. Sous le sens où c'est vachement survival, mais putain, par contre, c'est plutôt problématique. Fuck! Wouah, putain, la vache. Ce piège de taré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on s'est fait baiser. C'est encore un des pièges à la cour de Bill. Oh putain, je parlais de Je suis une légende, bah regardez-moi ça, c'était beau clin d'œil. C'est pas parfait. Là, le frigo, j'ai l'impression qu'il fait contrepoids. C'est trop ça en plus. Oh, c'est trop trop ça, c'est abusé. Sauf que bon, bah c'était retenu dans une... Bon, attention, spoil, spoil, spoil. C'était retenu avec une voiture dans Je suis une légende. Mais c'était trop ça, au crépuscule et tout, le soleil qui est en train de se coucher, machin. Putain, c'est énorme. Waouh, wow, c'est trop bien fait. Ça me fait flipper. Oh, j'entends du monde. Merde, ils sont là. Oh la vache. Ah, cette galère, fuck. Putain, la vache. Ah, les enculés. Allez, 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 allez. Putain, je la mitraille, la touche. Allez, headshot. Ils sont où? Oh, c'est la galère, les amis, c'est la galère. Mais pourquoi il a pris cette flingue, putain? Je voulais pas cette flingue, moi. Allez. Putain de merde, fils de pute. Headshot. Bam. Putain de fils de pute. Oh putain, les amis, c'est la galère, les amis. C'est la putain de galère. C'est les ténèbres, allez. Je sais pas si vous entendez, mais je mitraille la touche. Putain, j'y arrive pas, il me saoule, cette flingue. Fuck. Ah putain. Ah, fils de pute. Allez. Putain, mal-toi le cul, mal-toi. Mal-toi le cul, ma grande. Putain, c'est les galets. Allez, headshot. Putain, je peux pas changer de flingue, par contre, c'est... Oh, un claqueur. Un putain de claqueur de ses morts. Allez. Fuck, merde. Non, 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 non. Il va buter, il va buter. Non. Oh, putain, la vache. Oh. Mais non, 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 non. Je voulais pas ce flingue-là, putain. J'ai l'impression que c'est scripté. Oh, putain, la vache. En plus, j'ai pas le décompte des balles, à mon avis, on a les balles limitées, c'est fait exprès. J'espère. Allez! Recharge, mal-toi le cul, mal-toi le cul. Allez! Mal-toi le cul, mal-toi le cul. Ah putain! C'est une horreur, les amis, c'est les ténèbres pour viser, putain! Allez! Où recharge, recharge pendant qu'il est encore temps. J'envoie un là-bas, j'envoie un autre de l'autre côté. Putain, ça attire tout le monde, ça attire toute la faune. Headshot. Oh, oh putain, c'est... Oh, c'est les ténèbres. Mène-toi le cul, bordel de merde, mène-toi le cul, recharge, 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 je peux plus recharger. Waouh, 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 waouh. Elle m'a remonté, ce con. Coupe cette putain de corde, il y a les autres qui vont rappliquer là-bas. J'en vois d'autres, putain, il y en a... Oh, il y en a 15 000, il y en a 15 000. Il y a toute la faune qui rapplique.
Allez, laisse-la tranquille, fils de pute. Allez. Mais barre-toi de là, toi. Allez. Putain de merde. Wouah. Mais barre-toi de là. C'est la galère, les amis, c'est la putain de galère. Cours pas comme ça, putain. Non, non, non. Ah, putain, merde. Elle va surbuter, elle va surbuter. Recharge, man, toi, cul. Allez. Recharge, recharge. Merde, non, non, c'était pas le moins. Oh là 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 là. Oh, putain. Allez, allez, casse-toi de là, fils de pute de merde. Ah, enculé de ta race. Oh, c'est complètement cheaté. C'est épique. Oh, il va me faire rêver celui-là. Oh putain, faut se barrer de là, faut se barrer de là, faut se barrer de là. Par contre, j'aime pas cette flingue. Là, il recharge pendant qu'on court. Putain de merde! Allez! 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 Ah, fils de chien! Crève, fils de pute de merde! Allez! Allez! Putain, c'est les ténèbres, les amis, c'est les ténèbres. Allez! Je vais crever ma merde, merde, faut que je me barre de là. Mais cours. Non, il va bouffer, putain! Oh! Oh là là, va vache, putain de merde! Équipe l'autre flingue tout de suite! Voilà, allez, on se barre de là! Je vais équiper le cocktail Molotov, ça peut nous sortir de la merde. Allez, crevez tous en enfer, bande de bâtards de merde. Non, c'est ouvert, barre-toi de là, vas-y, ferme. Putain, c'est la galère à viser. Allez, ça c'est fait. Putain de merde. Barrons d'ici. Putain, par contre ça me fait chier, j'ai pas pu fouiller. Allez, gram, mate-toi le cul. Oh putain, les amis, ah, la vache. Les ténèbres, les putains de ténèbres, la vache. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que tu branles, toi, connard? Qu'est-ce que vous faites? Tourne-toi et mets-toi à genoux. Attends, calme-toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? L'effet mordre? Non. Les excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Allez, full charisme, la gamine. Full charisme. T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non, tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. T'as par contre, je veux sa machette, moi. Si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah ouais, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu de bouffe. Écoute-moi, sale petit. Non, je vous emmerde. Vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok.
Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. Oh putain, va falloir aller tout fouiller comme un putain de crevard. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-le. Ah, elle m'envoie du rêve, cette gamine. Elle m'envoie du rêve, putain. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Allez, eh ben tiens, merci. C'est une bonne idée. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Ouais, ouais, tu vas te détendre quand même un peu. Que tu le traites de gros dégueulasse, tout ce que tu veux à lui, ouais, y'a pas de soucis, mais moi par contre, tu vas te calmer deux secondes, ma grande. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah enfin! Manuel Instruit vous permet de confectionner des objets de fortune plus puissants. Sur un amélioré, c'est bon ça? Ah, ça fait très. Comment? Très Fallout, moi ça me plaît ça. Alors, manuel du surin volume 1. Longévité accrue des lames. Exige, aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer. Et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire avec ça? Non, apparemment non. Putain, en fait, c'est à la mode. Dead Rising, ouais. C'est à la Dead Rising, ça. Il faut trouver des bouquins comme ça pour pouvoir s'améliorer, améliorer nos compétences. Mais alors, du coup, c'est automatique ou. Comment ça se passe? Consulter, ouais, ben. Ouais, non, c'est ce que je viens de faire, ça, ouais. Ah, oh, ouais, c'est automatique, apparemment. Ouais, c'est dès qu'on le trouve, en fait, c'est automatique. Waouh, putain, en fait, ça se trouve, j'en ai déjà loupé. Parce que ça a ramassé en mode. C'est foutu en merde comme ça sur le bar, là. Si t'as pas envie de venir picoler un petit whisky, là, tu le trouves pas, quoi, en fait. Eh bah, ben, putain. Donc, du coup, logiquement, mais sur. Ah, oui, d'accord, j'avais pas vu. Regardez sur le logo du surin là en bas à droite là où il y en a deux. Il y a une petite barre de santé, enfin deux petites barres de santé qui se sont mises. Donc il a amélioré automatiquement. Ok, bah c'est parfait ça. J'ai plus de balles. Enfin si, j'ai 7 balles mais je voulais recharger. Celui-là je vais le recharger. Pas se faire avoir. Putain, par contre ça me fait chier, c'est la carabine. J'ai que 7 balles quoi. Casse les couilles ça. Ouais, mais elle tape la classe. D'ailleurs je vais l'équiper. Je vais l'équiper et ce sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, c'est un plan de la ville. C'est le plan qui vient de nous montrer ça. Carte de ville. Carte de ville de ville. Ouais, hein. La ville de ville. Non mais carrément, l'autre il s'est proclamé pardon, maire de la ville quoi. Cache, d'accord. Donc a priori on doit être là. Est-ce qu'on voit... Ouais, je suis pas sûr que ça nous serve plus que ça. Eh ben... Ouais, parce que la mienne, elle est à moitié morte. Voilà, ça m'en fera une 9, puis du coup, je vais l'améliorer. Parce que j'ai vu que je pouvais... Voilà. Tac. Parfait. Donc, c'est sûr, hein, c'est bon. Kit médical, bah, je vais en utiliser un. Parce que j'ai vu que ma santé avait bien baissé. Enfin, bien, non, ça va, mais... Je préfère être full life, comme ça au moins je suis tranquille. Je vais en refabriquer un du coup. Comme ça je suis full. Ça va me permettre de libérer un peu de place dans le sac à dos. Ça j'en ai rien à branler. Ça sert certes, mais... C'est... Voilà. J'en ai un, ça me suffit pour l'instant. J'en ai pas besoin de plus. Du coup j'ai pas retrouvé de pilule. Ok. Ok, ok. Je vais continuer à fouiller un petit peu là pendant qu'on est là. Ah bah tiens, j'ai bien fait. Ça c'est quoi? Note barrière. Faut que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Dégager les barrières. Ouais bah t'aurais pu le faire avant, pauvre con. Ok, des pièces et des balles. Ok. Bon bah je pense qu'on a tout fouillé ici.
Ça, c'est celle que je viens de loot. Ok. Ok, 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 ok. Ok, bon, la porte, on peut pas l'ouvrir là. Ok, bon, bah allez, on est reparti, les amis. T'as tout ce qu'il te faut. C'est bon. Putain, en tout cas, cet épisode, moi j'y commence très très fort. Hein. Fermez bien la porte, surtout. Là, au moins, il y aura eu de l'action. Hein. On monte. C'est ça que t'appelles ferme bien une porte ? Tout ne t'éloigne pas. Dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul là-bas. T'es un peu cinglé dans ta tête, toi, non ? Lui. Ouais, y'en a pas deux comme lui. Ouais, bah deux secondes, mon grand, hein. Tu vas m'attendre. Oh putain, j'ai eu peur. Y'a une moto qui vient de passer juste à côté de chez moi, j'ai cru que c'était. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. C'est pas pour toi. Merci. J'ai cru que c'était un claqueur, la moto qui est passée, hein. M'a foutu les jetons. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser de plus de panneaux d'avertissement. Montrer qu'on ne rigole pas. C'est pas les panneaux qui vont faire en sorte que. Alors. Tiens, des pilules. 5, ça va pas m'aider. C'est toujours ça de prime, direz-vous. Là, j'ai vu qu'on pouvait pas y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans là ? C'est juste un boulot, une livraison. Ne parle pas de test, connard. C'est une gamine ? Je vous emmerde. Merci. T'as de la répartie, tu me plais, ma grande, quand même. Des fois, t'es un petit peu con, mais. C'est ce que tu fais, au moins. Quand c'est comme ça, tu me plais. Non, mais c'est quoi ce type ? On va où, Bill ? Il est passé où ? Ah. Plutôt un gendarme livré. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon ? Tu sais réparer une. Bill, laisse-la. Non, mais on va à l'armurerie, ma grande, on va à l'armurerie, ça me plaît. Un truc qui est à l'opposé de la ville, un coin où je mets jamais les pieds. Donc il faut plus d'armes. Plus d'infectés, donc il faut plus d'armes. Mais dans quoi il nous embarque celui-là? T'es sûr de ton coup, Joël, là? Il m'a pas l'air bien fiable, ton mec, là. Du savon. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Non, mais moi, ça... Waouh, une batte de baseball. Ah, ça, c'est énorme, ça. Ah, ça fait chier, je viens de... Puis on peut pas en porter deux, putain, c'est dommage, ça. Ah, mais c'est tellement épique, une batte de baseball, quoi. Bam. Oh, putain, ouais, ça me plaît, ça. On peut l'améliorer, la batte. Putain, grave... Waouh, oui, avec les ciseaux dessus, c'est énorme. Oh. Qu'est-ce que je fais, les amis? Qu'est-ce que je fais? Waouh, la batte de baseball, ouais, elle est moins puissante, mais c'est tellement épique. Ah merde, je peux pas en confectionner, il me manque du ruban adhésif. Fuck. Non, ça c'est de la bouffe, ouais. Ah putain, ça fait chier, c'est la première fois que je trouve une batte de baseball. Puis celle-là, je l'ai cheatée à mort, quoi. Pff. Ah, ça m'emmerde quand même. Ah, allez, tant pis, tant pis. Tant pis, la batte, je pense qu'on devra en retrouver une plus tard. Celui-là, je l'ai amélioré, donc c'est quand même dommage. Ce serait quand même dommage de la lâcher là, quoi. Chut, il y en a un à l'intérieur. Waouh. J'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu, Cortez. Mais ferme ta gueule. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression. Qu'il y a de l'eau. Ah, oh, s'il me plaît. Ah, oh, il me plaît, ce mec. Ouais, un truc comme ça. Regardez-moi cette vision magnifique. Ah, si c'est pas beau. Ah, bah tiens. Ça, ah, on devrait en faire un portrait, moi, je dis. Ça, Picasso, ah bah, il a pas pensé à faire ça, Picasso. Hein. Ah, non, ça, les mecs, hein. De Vinci, au lieu de faire sa Joconde, il aurait dû faire un truc comme ça. Ce serait bien plus épique. Puis ça, je l'aurais acheté, hein. Pas le but de cette voiture. Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont achetées. C'est fini. Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail. Waouh.
Allez. Oh, par contre, c'est les ténèbres pour recharger. Oh, putain. Allez. Allez, bim. Putain, j'ai plus de furin. Non, fais chier. Ah, j'ai fait le zinc, putain. Que nous vous... Hein, qui ne vous ont pas vu. Ouais, bah ouais. Ok. Bam. Pas besoin de leur tirer dans la tête avec la carabine, ça c'est pas mal. Fuck. Bien joué mon grand. Putain mais... Allez. Double combo. Il est cheaté ce mec quand même. Putain, par contre le temps de rechargement de la carabine c'est les ténèbres. Ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Il est cinglé. C'est ce qui t'attend. Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière. Encore. Ça va te prendre. Bill. Joël. Par là. Il est complètement taré. Ça me plaît. Moi j'aime ça, moi. Les mecs tarés comme ça dans un monde infesté de zombies, ça me plaît. Allez, on monte. Deux secondes, je fouille mon grand. Putain, par contre, ils sont passés par où, les gars? Putain, c'est marrant parce que... Ah non, j'en ai déjà. Ok. Ah, je peux pas en porter plus. Parce que vous voyez, il y a un 1 là, donc ça veut bien dire que je devrais pouvoir en porter plus après. Putain, pourquoi il m'équipe cette arme là? Ah, ok, il doit équiper automatiquement l'arme où j'ai plus de balles, je pense. Moi, je l'aime pas, hein. Le revolver, il est casse-couille. Il met les ténèbres à recharger. Il fait pas plus de dégâts que ça. Alors que le 9mm, il est très très bien. Du coup, je vais garder la carabine parce que j'ai plus que 3 balles. D'ailleurs, je vais équiper l'arc. Ouais non, ça peut toujours me sauver ça. Bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Ok. Est-ce que je l'améliore? Non, je vais me faire... j'en ai deux, c'est peut-être déjà pas mal. Hein. Que faire les amis? Ouais, je vais me faire un surin. Je vais me faire un surin. Ça peut toujours me sortir de la merde. Voilà. Je vais me soigner aussi. Non. Voilà. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de niquer un truc de soin pour ça. Ok. Bon, et ben vous savez pas. Moi, je pense que... On va s'arrêter là. Hein. Ouais, ça fait déjà 33 minutes. Ok, bah très bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, deux petites secondes, je vérifie un truc. Voilà, très bien. Ok, bah écoutez les amis, cet épisode 8, putain, bah il était bon. Moi, personnellement, j'en ai chié, j'ai pris du plaisir, c'était très bien. Ça manquait un petit peu d'action dans les autres. Là, ça fait plaisir, ça commence, c'est parti, on est en plein dedans. Enfin bon, allez. Sur ce, les amis, on s'arrête donc pour cet épisode 8. C'est bien ça, et je vous dis à tout de suite sur l'épisode 9, les amis. Allez, ciao, ciao, et portez-vous bien.